Cette formation a ouvert ce jeudi 11 avril 2024. En aubergiste, les participants étaient déjà dans la salle de réunion de l'hôtel Believe. Une activité de deux jours qui réunit différentes personnalités, dont le Mouami de Bassoa, les administrateurs des territoires de Beni et Lubero, le maire de ville, le commissaire supérieur principal Mouabaï Kitelu Roger, autorité de l'entité qui accueille cette formation, a prononcé le mot d'ouverture officiel de la rencontre après l'exécution de l'hymne national. Vous aurez de participer à la cérémonie officielle d'ouverture de cet atelier qui s'inscrit dans le cadre de la programmation de la protection basée sur la communauté aux fins d'atténuer efficacement les effets néfastes des conflits prolongés et du changement climatique en République démocratique du Congo. Pour ce premier jour, il s'est agi de réfléchir sur les causes profondes de la sécurité alimentaire au Grand Nord de la province du Nord Kivu et en Ituri. L'organisation Oxfam a aussi expliqué comment résoudre cette question importante dans les deux provinces. Le formateur Jean-Serge indique que l'idée est d'aboutir à un nouveau projet dans lequel la population sera au centre de la programmation de la protection basée sur la communauté et la programmation de la protection dirigée par la communauté. Il faut qu'on s'attaque aux causes profondes. Et quand on s'attaque aux causes profondes, il faut qu'il y ait un dialogue. Un dialogue franc. Les gens se retrouvent toujours pour parler. Et en fonction de ça, donc on m'a résisté tantôt quand on doit envoyer partout par rapport à ma revendication et on aura vraiment un plaidoyer qui est très solide, qui sera mené par les organisations de la société civile elle-même. De son côté, Michel a développé les causes de cette insécurité alimentaire, notamment le chômage qui caractérise plusieurs jeunes, la drogue, la présence de plusieurs groupes armés et autres fins qui affectent le développement de la population. Pour y faire face, cette organisation internationale propose de ne pas croiser les bras et de fournir des efforts. Ont été convenus entre les parties prenantes, mais qui ciblent un nombre varié d'acteurs à différents niveaux selon leur sphère d'influence. On s'est dit, nous, acteurs locaux, nous allons faire. À notre niveau, nous sommes capables de faire. On veut maintenant chiter parce qu'on s'est dit qu'il y a autant d'engagement sur base des problèmes qui ont été identifiés précédemment. Plusieurs autres questions ont été abordées dans ces assises. Les participants ont été appelés à faire le plaidoyer chacun son niveau pour aboutir à une paix durable et la résolution de la crise alimentaire.